La foire internationale du livre de Ouagadougou, c'est du 26 au 30 novembre prochain. Cette année, l'accent est mis sur l'édition et la diffusion du livre scolaire au Burkina Faso. Environ une quarantaine d'exposants nationaux et internationaux sont attendus et le comité d'organisation de la manifestation était face à la presse ce mardi pour donner des éclairages. Adama Koulibaly. Créer un cadre de concertation entre les acteurs du livre, offrir une tribune à la promotion du livre, intégrer celui-ci comme facteur d'émancipation et de développement à travers l'alphabétisation des communautés, tels sont entre autres les objectifs que s'est fixé la FILO, la foire internationale du livre de Ouagadougou, dont la 12e édition se tient du 26 au 30 novembre prochain au CIAO. L'esprit de la foire met en synergie l'ensemble des structures qui interviennent dans la chaîne du livre. Elle est ouverte aux éditeurs, aux libraires, aux bibliothécaires, aux auteurs, aux organes de presse, aux institutions œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture, aux associations de lecteurs. Pour cette 12e édition, des éditeurs et acteurs étrangers sont attendus pour apporter leur expérience. Actuellement, il faut dire que les exposants sont informés, beaucoup de correspondances leur ont été envoyées. Et sur le plan international également, des partenaires ont été informés et il y a 8 pays qui vont prendre part à cette édition-là. Depuis sa création en 2000, la FILO ne cesse d'accorder une place de choix au livre comme vecteur d'acquisition et de diffusion du savoir. Au programme de cette édition, des ateliers d'écriture, des dédicaces d'ouvrages, des expositions ventes de livres et des conférences publiques sur divers thèmes.